Salut à tous, c'est Eric Ourini, on se retrouve pour une petite vidéo d'information. Alors, donc vous, de toute façon, ça sera mis dans le titre, je vais parler du live de demain, mais avant ça, j'aimerais quand même vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez envoyé suite à la dernière vidéo. Ça fait plaisir. Encore une fois, il n'y a pas de danger que la chaîne s'arrête, hein, vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de remettre tout en question. C'est juste qu'effectivement, encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment toute la prise de tête sans raison apparente qu'il y a pu avoir autour de ça, qu'on voilà, qu'on est venu emmerder pour, je sais pas d'autres mots, pour des fois vraiment une mauvaise interprétation. C'est voilà, c'est tout ça, cette prise de tête qui a pas duré 5 minutes hein, non plus. Voilà, on a pris la tête quand même pendant plusieurs heures, donc voilà. Et derrière, forcément, la motivation. Voilà, quoi, ça en est un peu ressenti, j'ai même été démotivé de jouer au jeu, hein, pour vous dire. J'ai pas lancé War Thunder depuis samedi. Voilà, j'ai pas touché au jeu. Depuis le moment où on m'a pris la tête, j'ai pas relancé le jeu en fait. La dernière fois que j'ai joué au jeu, c'était samedi après-midi, et on m'a pris la tête samedi soir, donc voilà, depuis en gros, il n'y a pas de. Y a pas de. Je joue pas du tout, en fait, j'ai pas allumé le jeu, là, c'est la première fois que je rallume le jeu pour faire la vidéo, là. Pour parler donc du live de demain. Donc encore une fois, vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger pour la chaîne à long terme, c'est juste à court terme forcément, il y a un peu moins de vidéos que prévu. Et c'est pour ça que j'étais obligé de vous en faire part. Et aussi du fait que j'ai supprimé la vidéo parce que je me suis dit que ça, voilà, si on avait encore, s'il y a encore une autre personne qui serait arrivée un peu plus tard en mode ouais mais là c'est mal dit, machin. Voilà. Je préfère tout retirer, comme ça au moins on ne prend plus la tête pour ça, et je fais plus de vidéos sur la communauté. C'est malheureux, mais malheureux. Voilà. On est obligé d'en arriver là. Parce que c'est juste pour éviter les prises de tête, même s'ils ont. Ça donne pas forcément raison, je trouve. C'est juste que moi, j'ai plus envie de m'emmerder avec ce genre de problèmes qui n'en sont pas. Voilà. Alors, le live de demain. Parce que oui, demain, donc demain ou aujourd'hui, parce que ça dépend quand j'arrive à upload cette vidéo. Il est probable qu'on soit déjà mercredi quand cette vidéo est upload. Pour moi, on est le mardi, là. Donc le mercredi 14. C'est-à-dire aujourd'hui ou demain, c'est quand vous regardez, c'est les 2 ans de la chaîne. Voilà, on est le 14 juin, c'est l'anniversaire de la chaîne. Et je comptais fêter ça avec un live samedi. Sauf que samedi et dimanche, parce que il y a samedi et dimanche, j'aurai pas le temps. Voilà, parce que j'ai d'autres choses à faire et malheureusement, j'aurai pas le temps de consacrer un live qui durera 3-4 heures, c'est pas possible. Je ne peux pas le faire. Donc, je suis un peu coincé. Mais malgré tout, je veux quand même organiser un live. Parce que c'est l'occasion de fêter ça déjà, de marquer le coup des 2 ans, et puis aussi de discuter avec vous directement, d'échanger, voilà, de partager des moments cool sans se prendre la tête. Et du coup, je me dis qu'il y aura quand même un live, ce sera donc demain ou aujourd'hui, mercredi. Donc voilà, mercredi 14, de 16h à 18h, 18h30. Voilà. C'est pour ça, je sais, on est en semaine, donc c'est pour ça que j'ai tendance à organiser assez tard dans la journée, parce que je sais qu'il y en a certains à 16h, ils seront encore au travail, je peux le concevoir tout à fait, hein, c'est normal. C'est pour ça que je le laisse traîner jusqu'à 18h, 18h30, mais j'ai pas le choix, je peux pas non plus le faire dans la soirée, parce que dans la soirée, bah, il y en a plein qui pourront pas être là, parce que il y a le travail le lendemain, il y a l'école, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc, ce sera un live assez court. Enfin, la simple et bonne raison de ce que je ne ferai que des games personnalisés. Voilà, on fera que des games perso. Le but c'est qu'on passe juste du temps entre nous, faire des games. Ça pourra être en char, en avion, un peu tout. Vraiment, on se fera un peu tout, on s'organisera, on essaiera de faire des trucs sympas. Et comme ça me permettra en plus de me concentrer beaucoup plus. Hein, je n'arrive pas à être beaucoup plus pour ça. Ça me permettra de me concentrer vraiment davantage sur ce que vous allez me dire dans le chat et de répondre un peu plus aux questions et sans. Voilà. Vraiment d'être en mode détente et le but c'est de passer juste. Que tout le monde passe du temps ensemble sans qu'on se prenne la tête quoi. Un moment cool, pas de prise de tête et voilà, du plaisir c'est tout. Donc bah écoutez, j'espère vous voir assez nombreux, ce serait cool et qu'on passe tous du temps tranquille hein, ensemble. Et juste une dernière petite info aussi, du coup, la vidéo qui devait être upload, enfin qui devait être mise en ligne ce dimanche, qui est la vidéo en fait, la présentation de line-up 7.0 britannique, donc le Vickers mais pas que. Cette vidéo-là, donc elle est déjà sur YouTube, elle est déjà sur la chaîne, mais elle n'est pas en public, elle sera mise en ligne à partir de samedi ou dimanche en fait. Je pense plutôt dimanche, je la mettrai en ligne en tout cas ce week-end pour compenser.
l'absence de. Voilà, il y aura cette vidéo-là en vidéo qui sera postée. Et peut-être qu'après, j'essaierai de reprendre tout doucement les vidéos. Si le live se passe bien, il n'y a pas de raison que je retrouve pas une bonne motivation. Et pour que le live se passe bien, encore une fois, il suffit qu'il y ait une bonne ambiance. Hein. Il y a pas, même si, y a, si, même si on est que 30, c'est pas grave. Hein. Je vais pas me dire, oh, le live, c'est mal, ça passe mal. Hein. Mais si on est que 30 et qu'il y a une super ambiance, bah, ça sera suffisant. Donc écoutez. Si ça vous intéresse, et le live sur YouTube, hein, je précise quand même, voilà. Si ça vous intéresse, venez nombreux, puis sinon, j'essaierai de mettre le replay en ligne, mais le dernier replay ne s'est pas enregistré, donc peut-être que c'était un bug YouTube, je ne sais pas, donc je ne promets rien. Voilà, allez, bonne journée à tous, ciao.